Alors, salut, salut, bonjour à tout le monde, bonsoir, mesdames et messieurs, chers abonnés, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. OK, nous sommes là pour notre conférence et vous savez, quand j'ai une chaîne YouTube, de temps en temps, ceux qui se sont abonnés à votre chaîne, pour une raison bien précise, il faut leur apporter de la valeur. Il faut quand même faire en sorte que les gens apprennent quelque chose de votre chaîne. Donc, de temps en temps, je vais, si Dieu me permet, selon le besoin, je vais créer des petites conférences. Je vais faire de petites conférences pour que nous soyons informés sur certains sujets. Alors, pour ceux qui nous rejoignent sans avoir lu le thème, nous allons nous entretenir sur des sujets d'actualité. Vous savez que de plus en plus, Christine Lagarde fait de plus en plus de déclarations. On connaît plus sa position sur les crypto-monnaies, sur les coins, les tokens. Et puis, nous sommes de plus en plus informés sur les dispositions que les banques centrales sont en train de préparer. Et on parle de plus en plus aussi de réglementation et tout cela. Et puis, vous qui faites des affaires, on parle de plus en plus de tokens. Vous êtes dans une entreprise qui parle de tokens. On vous parle de MetaMask. On vous parle de Ether Wallet. On vous parle de plateformes d'échange. Tout cela, on parle de coins, de stablecoins. Tout cela, si dès maintenant nous ne prenons pas le temps pour le maîtriser, nous serons perdus. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lambert Kouassi, je vis en Côte d'Ivoire, je suis formateur, je suis coach, et puis je fais aussi des affaires, OK, sur Internet, quand ça concerne des métiers du web. Alors, à propos, au niveau de l'Internet, il y a deux groupes d'intervenants. Il y a ceux qui interviennent, qui sont dépendants des plateformes, et que lorsque les plateformes disparaissent, ces gens sont dans la déception totale. Et puis, il y a le groupe de ceux qui maîtrisent un métier qu'ils exercent en ligne. Alors, vous savez, souvent, le monde dans lequel nous partons, un temps va arriver où ceux qui se sont basés sur leur diplôme, ceux qui se sont basés sur leur diplôme pour chercher du travail, pour vivre, ceux qui se basent actuellement sur leur diplôme, vous risquez d'avoir des problèmes dans les 5 ans, 10 ans à venir. Je reprends, je dis, vous qui avez été à l'école, qui avez eu des diplômes et qui vous croyez que c'est votre diplôme qui va vous faire vivre dans le monde numérique, dans l'économie numérique de maintenant, vous risquez d'être très en retard. Vous devrez prendre des dispositions pour apprendre chaque année sur toutes les innovations qui sont en train d'arriver. Lorsque cette affaire de blockchain de crypto a commencé, dans le monde entier, on criait Anax, Ponzi, Pyramidal, même parlant du Bitcoin. Mais, s'il vous plaît, après l'Internet, la grande innovation que l'humanité a connue, c'est la blockchain. Ça, il faut que vous le sachiez. La blockchain, c'est cette manière de décentraliser les choses. On peut dire la blockchain en médecine, on peut dire la blockchain dans nos administrations. Donc, la science, la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies, c'est la blockchain, la décentralisation. Maintenant, c'est une innovation majeure qui inquiète quand même les structures financières, les structures bancaires, parce que pour une première fois, une innovation permet à l'individu de gérer son argent. On a décentralisé. Quand on partait sur blockchain.com, il est écrit B. Your own bank, c'est-à-dire soit ton propre banquier. Mais ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant
La même manière que l'avènement des emails a fait disparaître la poste ou a fait perdre la poste un grand marché, vous êtes d'accord avec moi que la blockchain, qui est une grande innovation, inquiète les structures financières, inquiète les banques. Parce que l'individu à qui on donne la possibilité de gérer son propre argent, c'est une liberté. C'est une liberté que l'individu a. Qui ne va pas opter pour cette liberté? Mais en même temps, ça fait perdre quelque chose à certaines structures, de sorte qu'il y a une certaine confusion à ce sujet. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a une innovation, au lieu de qu'on s'en réjouisse, ça inquiète un groupe de personnes ou un groupe de structures. La liberté que la blockchain donne à l'humanité est tellement totale que ça inquiète. Parce que, et c'est à juste titre que des autorités, les gouvernants, les grandes structures financières, les banques centrales s'inquiètent. Parce que donner la possibilité à un être humain de transférer l'argent qu'il veut, là où il veut, quand il veut et comme il veut, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et les arguments qu'on avance souvent pour dire que c'est inquiétant, c'est le terrorisme, ce sont toutes les formes de malversation que vous connaissez. Mais ceux qui disent ça, ceux qui sont passionnés pour ces nouvelles solutions, disent aussi que depuis que le monde est monde, qu'il n'y avait même pas encore les crypto-monnaies, il y avait la drogue que les gens vendaient. La drogue circule dans les pays. Avec les monnaies fiat, avec les fiat. Vous comprenez? Sans crypto-monnaie, la drogue circulait. Sans crypto-monnaie, les armes circulaient. Sans crypto-monnaie, le terrorisme est né en dehors des crypto-monnaies. Donc, d'autres disent que c'est un faux argument de dire que c'est la crypto-monnaie qui est un problème. La crypto-monnaie, comme l'argent lui-même n'a jamais été un problème, l'argent n'est pas un problème. C'est comme si je vous dis que, comment on appelle, l'argent est mauvais. Si tu as beaucoup d'argent, c'est dangereux. L'argent est neutre. Ici encore, la crypto-monnaie, qui est une grande innovation, est neutre. Mais ça inquiète. Ça inquiète parce que, je vais vous donner un exemple, les emails ont fait disparaître la poste. Les emails ont fait disparaître la poste. Ou les emails ont fait perdre un marché important, la poste. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, si certaines structures n'innovent pas ou ne suivent pas la tendance, elles risquent de disparaître. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est le premier volet de mon intervention. Je vais vous donner quelques vidéos de Christine Lagarde. Qu'est-ce qu'elle dit au niveau des crypto-monnaies? Après quelques années, elle s'est vraiment prononcée. On a tiré sa langue ça et là, lors de certaines conférences. Et elle s'est exprimée sur le sujet. Ça fait un. De deux, vous qui êtes, dans le business, on parle de crypto-monnaie, de coin, on parle de token, jetons numériques, on parle de stable coin, on parle de monnaie euro numérique. De plus en plus, Christine Lagarde parle de euro numérique. Vous devrez savoir la problématique de tout ça là. Et puis, vous devez savoir dans votre esprit, quand je dis token, vous devez savoir à quoi cela correspond, cela répond. Quand je dis un coin, vous devez savoir de quoi il est question. Quand je dis euro numérique, vous devez savoir pourquoi Christine Lagarde parle de plus en plus d'euro numérique. Vous comprenez? Quand je parle de stable coin, vous devez savoir de quoi il est question. Stable, ça s'écrit en français, stable coin, comme stable, quelque chose qui est stable. Donc stable coin. Et tout ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai préféré qu'on ait une rencontre et que vous soyez vraiment à l'aise. Je ne me dis pas être expert en la matière, mais ce qui fait ma force, c'est de simplifier les choses dans un langage simple, familier, pour que chacun de vous puissiez comprendre. À cette conférence, nous sommes déjà une quarantaine, 47 personnes. Déjà, 48 maintenant, d'autres sont en train de rentrer. Il est question d'utiliser un temps court pour expliquer des choses complexes ou compliquées
pour que tout le monde, le citoyen lambda, puisse comprendre. Alors, disons que, on va commencer d'abord par parler de la crypto-monnaie. Comme vous le savez, la blockchain vient tout décentraliser. La blockchain permet aujourd'hui à des individus de transférer leur propre, de convertir leur argent en une monnaie numérique et de le transférer de partout le monde, la nuit, il fait tard, la nuit, week-end, n'importe comment de transférer leur argent. Ça, c'est la crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie a vu le jour après la crise de 2008. Et des gens très intelligents, ça, ils sont des génies, se sont dit qu'il fallait créer quelque chose qui puisse aider l'humanité. Pourquoi? Des gens vous disent souvent que l'argent qu'on utilise actuellement est adossé à l'or. Non. S'il vous plaît, les fiat, l'argent actuel n'est pas adossé à l'or. Ça, c'est pour votre information, pour ceux qui ne savent pas. L'argent que nous utilisons actuellement n'est plus adossé à l'or. Dans les années 70, le président américain Nixon a annulé cela. Avant, c'est par rapport à ton stock d'or que tu pouvais émettre des billets de banque, créer des billets. Dans les années 70, le président américain Nixon a changé la donne. Et depuis lors, l'argent vit grâce au crédit. L'argent vit grâce au crédit. On crée les billets. Les États donnent l'autorisation à des banques commerciales de créer des billets si des gens viennent prendre du crédit. Donc, c'est ce qui a fait dire à monsieur, comment on appelle ce gars-là? Robert Kiyosaki, que lui, il utilise la dette pour s'enrichir parce que l'argent actuel fonctionne sur la base de la dette. Ça veut dire que si les gens ne vont pas prendre du crédit dans les banques, l'économie actuelle va avoir des problèmes. Vous comprenez? Si les gens ne vont pas prendre des crédits, l'économie actuelle va avoir des problèmes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que désormais, c'est à partir de rien du tout qu'on crée. À partir de crédit, si vous voulez, mais c'est comme à partir de rien. Ce n'est pas sur la base d'un stock d'or qu'on émet les billets. C'est un peu de l'économie, mais ce que je vous dis n'est pas faux. Vous comprenez? Bien. Donc, ceux qui créent le Bitcoin se disent que la même manière que l'argent actuel, c'est à partir de rien qu'on peut l'émettre. Pourquoi ne pas émettre quelque chose de plus fiable qu'on ne peut pas tricher là-dedans, qui est décentralisé, que personne ne peut manipuler, qui n'est pas dans la main d'un être humain, qui est libre, mais qui est sécurisé, qui est crypté, et que personne ne contrôle, que personne ne peut manipuler. Et donc, le thème décentralisation. Et donc, on émet une quantité de valeurs numériques qui ne coûtent rien du tout, qui ne sont rien, une quantité bien précise, comme un stock d'or bien précis, c'est en fonction de ton stock d'or bien précis que tu devrais normalement créer et mettre des billets. Donc, à partir d'une certaine, un certain nombre de, comment on appelle, de cet actif numérique-là, que on peut avoir une capitalisation. Dès lors, plus, si prenons l'exemple de la monnaie normale, l'argent normal, plus les gens utilisent le dollar prend de la valeur, n'est-ce pas? Plus les gens convertissent leur argent dans le dollar prend de la valeur. Plus dans le monde entier, les gens convertissent leur argent dans l'euro, l'euro prend de la valeur. Mais plus les gens retirent leur argent de l'euro ou du dollar physique, le dollar perd de sa valeur ou bien l'euro perd de sa valeur. Donc, c'est l'offre et la demande qui fixent la valeur. C'est la même chose pour les cryptos.
Au début, ça ne coûtait rien du tout. Mais plus des gens pour des choses qui sont en nombre limité, des pièces qui sont en nombre limité, plus les gens vont déposer l'argent pour acquérir ce qui est en nombre limité, quand on prend la capitalisation et qu'on divise par le nombre de pièces disponibles, le nombre de stocks d'or, que dis-je, le nombre de pièces disponibles, l'unité, le kilogramme d'or devient cher. L'unité de, comment on appelle, de cette crypto devient chère. C'est pour ça que vous voyez, le Bitcoin prend de plus en plus la valeur. Toutes les quantités de Bitcoin ne sont pas encore minées. Mais quand tout sera miné, dans les années, peut-être on ne sera plus encore sur cette terre, dans plusieurs années, c'est là que tous les Bitcoins seront minés. Mais quand tout sera miné, on aura tous sur le globe terrestre des milliards d'habitants sur le globe terrestre. Mais ces milliards d'habitants-là vont se partager une petite quantité de Bitcoin qui n'est que de 21 millions de pièces dans le monde entier. Imaginez-vous la capitalisation qui ne fera qu'augmenter, augmenter, augmenter. Et selon ceux qui ont créé le Bitcoin, selon eux, c'est comme ça que l'argent devrait fonctionner. C'est-à-dire, c'est en fonction de quelque chose de précis, de stable, que personne ne peut changer, que les billets, l'argent normal devrait prendre la valeur. Mais si on crée à partir de rien, pour eux, plus tard, l'économie va avoir des problèmes. D'où la création du Bitcoin, des crypto-monnaies. Maintenant, le premier Bitcoin, la première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Quand ça a eu lieu et que les gens ont pu prendre connaissance de la technologie qui est derrière, qui est la blockchain, des gens encore plus intelligents vont réfléchir encore pour créer d'autres. OK? On parle des altcoins. Les altcoins, ce sont toutes les autres crypto-monnaies qui sont venues, qui se sont inspirées du Bitcoin pour venir. On dit altcoin. Altcoin, A-L, coin. C'est-à-dire toutes les autres crypto-monnaies qui exploitent une blockchain et qui sont venues après le Bitcoin. Je n'étais pas dans mon terme, je parle de altcoin, mais notez que quand on parle de altcoin, c'est toutes les autres crypto-monnaies que comme le Bitcoin a ouvert les yeux, des gens, eux, ils sont venus après. Elles sont venues après ces crypto-monnaies. D'où l'Ethereum. Et l'Ethereum est encore plus amélioré que le Bitcoin. L'Ethereum permet à des entrepreneurs de créer eux-mêmes leur propre token, leur propre jeton numérique. Et ça nous permet de parler un peu de token. Le token, c'est quoi? Le token, si vous voulez, c'est aussi un actif numérique comme les crypto-monnaies, mais un actif numérique qui n'a pas sa propre blockchain. C'est-à-dire, c'est comme si vous voulez, c'est comme ce token est sous couvert d'une blockchain qui appartient à un coin. Par exemple, beaucoup d'entreprises créent leur token à partir de la technologie Ethereum. On parle de smart contract. Smart contract. Donc, au lieu d'aller créer leur propre blockchain qui est un ensemble de calculs, de mathématiques, de cryptographie, d'équations compliquées à réaliser, des gens préfèrent déjà s'adosser sur une blockchain qui existe et qui permet à moi-même qui suis là devant vous, je peux créer mon token. Vous pouvez créer votre propre token en exploitant le smart contract de Ethereum. Mais le Bitcoin, ce n'est pas facile. Mais l'Ethereum, la blockchain d'Ethereum, c'est encore plus simple, c'est encore plus efficace et puis c'est encore plus rapide. Et puis, ça ne coûte pas trop cher dans les transactions et l'Ethereum est encore plus rapide que le Bitcoin. C'est comme si vous créez quelque chose. Celui qui a eu l'idée de créer un avion, il a créé, mais des gens qui sont venus après ont vu plus clair pour l'aider à améliorer davantage. C'est l'exemple de Satoshi Nakamoto, qui est un pseudo, qui a créé, c'est quelqu'un qui est caché derrière ça. On dit que c'est une équipe, le Bitcoin qui a créé ça. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est bon, mais à partir de ce qu'ils ont fait, des gens ont amélioré. C'est ça Ethereum. Ethereum n'est pas Bitcoin. Mais la blockchain d'Ethereum permet aux entrepreneurs dans le monde entier de créer leur token, leur jeton numérique. Donc token, c'est le mot en anglais. Et jeton numérique, jeton, c'est le nom en français.
Donc, notez simplement, de façon terre à terre, qu'un token, c'est aussi une crypto-monnaie ou un actif numérique qui n'a pas sa propre blockchain et qui utilise la technologie blockchain d'une autre crypto-monnaie. Par exemple, Ethereum a sa crypto-monnaie. Ethereum, c'est un coin, ce n'est pas un token. Donc, tous ceux qui utilisent leur propre crypto-monnaie, leur propre blockchain, on les appelle des coins. Et tous ceux qui n'utilisent pas leur propre blockchain, on les appelle tokens ou jetons numériques. Voilà. Maintenant, on y va. J'ai parlé aussi de stablecoin. Le stablecoin, ça va venir résoudre un problème au niveau des crypto-monnaies. Le stablecoin. Alors, le stablecoin, c'est comme si vous voulez, c'est comme aussi un token. Mais la seule différence, c'est qu'on le rend stable. Ce n'est pas comme un actif qu'on peut prendre pour spéculer, comme on le fait pour les autres crypto-monnaies, les tokens qui prennent la valeur. Non. Le stablecoin, comme son nom l'indique, c'est un coin qui est stable. Par exemple, le USDT. OK? Et puis, il y a un autre qu'on appelle le USDC, je crois. USDC. Et puis, il y a le USDT ou bien le Tether. USDT ou le Tether. Le USDT ou le Tether, c'est un stablecoin. Vous avez entendu parler de Libra, la Libra de Mark Zuckerberg pour le Facebook. Alors, Mark Zuckerberg a voulu créer, on dit une crypto-monnaie. Mais en fait, ce n'est pas une crypto-monnaie qu'il veut créer. Il veut créer un stablecoin. Ce n'est pas un actif que vous allez prendre pour spéculer, comme dans le cas du Bitcoin, de l'Ethereum, où plus la capitalisation monte, plus l'unité prend de la valeur et que pour acheter, pour faire de l'argent. Ce n'est pas le but de Mark Zuckerberg. Ou bien du moins, il a changé. Parce qu'auparavant, quand il parlait de Libra, on a parlé de crypto-monnaie. Aujourd'hui, on parle de Diem. Et quand on parle de Diem, c'est un peu comme le USDT. Comme il a racheté des structures telles que WhatsApp et autres, et la Facebook et tout cela, et que les gens souvent utilisent la carte de crédit pour faire des achats de tout ce qu'il a pu. Tu sais, vous savez, il s'enrichit de la publicité, Mark Zuckerberg. Donc, il veut créer une monnaie qui va circuler entre toutes ces entreprises-là pour que des gens fassent des achats. Et bien sûr, c'est pour lui. Si vous achetez avec sa monnaie, les transactions se passent dans toutes ces structures. Vous voulez faire un achat de publicité sponsorisée et tout cela. Mais c'est de l'argent. Dans ce cas-là, $1 égale à $1. $1 de Diem égale à $1 normal. Donc, ça fait deux choses. On est en train de parler d'un troisième truc qu'on appelle le stablecoin. Là, il est stable. Il ne fluctue pas. Donc, vous tous qui êtes dans cette salle, que l'on parle de crypto-monnaie de Diem et que les gens ont créé des sites actuellement qui sont sur Internet où on vous dit que c'est la crypto-monnaie de Facebook et vous voyez que c'est en train de prendre la valeur, ça atteint 2 euros, $2 et autres. Si vous comprenez bien ce que le monsieur veut faire, je crois que beaucoup de sites sont en train de vous tromper. Parce que le Diem n'est pas une crypto-monnaie pour faire de la spéculation. Ce n'est pas le but de Mark Zuckerberg. Vous comprenez ça? Et je vous dis, actuellement où je parle, il y a beaucoup d'entreprises fictives, des escrocs en ligne, qui utilisent le nom de Facebook et le nom Diem pour créer des plateformes pour dire que c'est la plateforme de Facebook et ils sont en train de faire leur ICO que vous pouvez venir acheter leur crypto-monnaie. Et quand j'ai eu à créer un compte sur l'une de ces plateformes pour voir comment ça fonctionne, je me rends compte que ça était en train d'aller vers $2, $3. Mais $2, quand j'ai vu la dernière fois sur un compte, c'est $1,87. Mais le Diem, c'est du stablecoin. Ça ne doit pas dépasser $1. Ce n'est pas un truc qu'on doit prendre pour spéculer. Donc, vous qui êtes en train de mettre des millions dedans, c'est que peut-être vous n'avez pas compris. Ce n'est pas le but. Et je vais vous laisser voir une vidéo tout à l'heure avant de continuer. Pour que vous compreniez un peu ce que le gars veut créer comme monnaie. Et c'est Christine Lagarde qui en parle. Je vous laisse écouter ça avant de continuer. On en parle avec la crypto-monnaie, Thierry.
Oui, la montée en puissance qu'on appelle les crypto-monnaies est un phénomène très spectaculaire depuis plusieurs années maintenant. Ça s'est évidemment accéléré ces derniers mois. On estime qu'il y a à peu près 1 000 milliards d'euros de transactions qui se sont faites à partir de ces crypto-monnaies. Alors, il y en a beaucoup. On connaît en particulier le Bitcoin qui, à lui seul, représente à peu près 200 milliards d'euros. Alors, résumé très simplement, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui s'échange de gré à gré sur la base de d'algorithmes et selon des plateformes qui sont cryptées. Et encore une fois, ça se développe de manière très spectaculaire. Alors, est-ce que pour vous, ces crypto-monnaies, c'est une chance, c'est un danger, c'est un danger pour l'économie mondiale, c'est un danger pour son système financier, c'est un danger pour les grandes monnaies, y compris l'euro? D'abord, je dirais que ce n'est pas une monnaie. Ok, vous voyez déjà. Bien. Donc, vous voyez déjà sa première réponse, il faut noter cela. Et sa première réponse, c'est sur ça que les banques centrales se basent déjà. Elle dit que ce n'est pas une monnaie. Et elle n'a pas totalement tort. Hein. Voilà, elle n'a pas totalement tort. Si vous prenez la définition de la monnaie, c'est vrai, les crypto-monnaies fonctionnent un peu, un peu à ça, mais ce qu'elle dit là, ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas une monnaie, comme devrait fonctionner normalement une monnaie. Mais vous allez continuer à suivre. C'est dans son développement qu'il y a des choses pour lesquelles elle sait que ça fait avancer le monde, mais comme ça n'arrange pas les banques centrales et autres, comme ça n'arrange pas, alors elle a son approche. Et puis aussi le fait qu'ils veulent protéger la population mondiale contre quelque chose qui peut faire perdre l'argent aux gens. Voilà. Donc c'est le rôle des banques centrales de protéger les biens financiers des individus. Donc écoutez bien son approche, elle dit des choses vraies. Mais elle dit des choses aussi, on se rend compte qu'elle défend, elle n'est pas trop pour. Ça veut dire que c'est comme si la crypto-monnaie est un casse-tête qu'on appelle casse-tête chinois, hein, pour elle. Et les crypto-actifs, ce n'est pas des monnaies. Voilà, elle parle de crypto-actifs. C'est ça, on parle d'actifs numériques. Un actif, c'est quelque chose qui peut prendre la valeur, que tu peux acheter et qui prend de la valeur. Donc, il y a les actifs mobiliers, immobiliers. OK, comme un terrain, c'est un actif immobilier. Mais il y a aussi des actifs numériques, quelque chose que tu achètes et qui prend de la valeur. Plus la capitalisation monte, plus la chose prend de la valeur. Plus il y a assez d'utilisateurs, ça prend de la valeur. Donc ça, ce qu'elle dit n'est pas faux. Un jour, vous achetez un bitcoin, vous le payez 3 500 euros. Vous le rachetez 6 mois plus tard, vous le payez 38 000 euros. Il est à 33 000 euros, en gros. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Il était monté jusqu'à 38 000, il est redescendu à 33 000. Voilà. Et ça, ce dont elle parle, c'est vrai. Mais normalement, c'est comme ça. Excusez-moi, j'ai dit tout à l'heure, elle a dit que ce n'est pas de la monnaie. Mais c'est comme ça que l'argent doit fonctionner. Plus il y a beaucoup de personnes qui ont dépôt de l'argent pour obtenir la pièce, cette monnaie prend de la valeur. Moins il y a des utilisateurs, ça perd de la valeur. Vous comprenez? Mais, et donc, écoutez la suite. Il faudra peut-être redescendre et puis peut-être remonter aussi. Donc, de ce point de vue-là, c'est un actif hautement spéculatif qu'elle s'enrichisse ou s'appauvrisse les uns et les autres. Mais... Voilà. Donc, ce qu'elle dit là aussi, ce n'est pas faux. Dès lors que c'est un actif hautement spéculatif qu'on peut prendre pour spéculer, ça devient du business pour des gens dans le monde entier. Voilà. Là, elle dit que des gens peuvent gagner de l'argent et ce n'est pas faux. Mais elle a dit aussi que les gens peuvent perdre de l'argent aussi. Ça aussi, ce n'est pas faux. Voilà. Donc, ce qu'elle dit jusqu'à présent, elle ne ment pas. Elle dit la vérité. Mais c'est comme ça la vie. Il y a des gens aussi qui vont perdre. Il y a des gens aussi qui vont gagner. Voilà. Donc, maintenant, personne ne voudra perdre en tout cas. Voilà. Donc, ce qu'elle dit, en même temps qu'elle le dit, elle ouvre l'esprit de l'humanité sur quelque chose que c'est un actif hautement spéculatif que des individus peuvent prendre pour spéculer. Mais aussi, elle fait comprendre aussi que des individus peuvent perdre beaucoup d'argent avec ça. Et c'est ce côté perte d'argent qui inquiète les banques centrales. Et le fait que ça soit totalement libre et que tout le monde peut l'utiliser, c'est ça qui est inquiétant. Mais pour moi, ce n'est pas une monnaie, du tout. Du tout, du tout. Il y en a un certain nombre d'autres du type Ethereum, etc. Mmh. Là où on peut plus parler de monnaie, c'est quelque chose comme Diem, qu'on appelait autrefois Libra. Voilà. Donc, elle est en train de s'attaquer à un autre sujet. Elle ne parle plus des coins comme les Bitcoin et Ethereum. Elle touche un autre sujet. Elle parle, mais elle soulève un autre sujet
que ce qui peut s'apparenter un peu à la monnaie, c'est un peu le stablecoin, le Diem. Donc, écoutez là, elle va parler du Diem. Pourquoi pour elle, le Diem s'apparente un peu à la monnaie? Parce que selon elle, dans sa définition, la monnaie doit être stable. Et comme les stablecoins, comme celui de Diem, de Mark Zuckerberg, de Facebook, c'est quelque chose qui est du stablecoin, comme le USDT, instable, là, elle va vous faire comprendre ici que là, elle est un peu, c'est un peu d'accord que là, c'est de la monnaie. Mais ça apparente, elle ne dira pas que c'est une monnaie, mais elle va dire que ça s'apparente un peu à la monnaie. Jusqu'à la fin, on va voir réellement ce qu'elle veut, ce qu'elle trouve normal pour l'humanité. Écoutez. Qui est la tentative par Facebook de mettre en place un élément d'échange, appelons ça comme ça, qui s'appelle Libra, qui s'appellera Diem demain, et qui s'échangerait pour $1 ou 1 euro. Alors 1 euro, non, parce que nous, on n'est pas d'accord. Voilà. Donc, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Elle dit que si c'est pour le dollar, bon, elle ne contrôle pas le dollar, elle n'est pas dans le contrôle du dollar. Ça, les Américains peuvent faire ce qu'ils veulent, mais eux, si c'est en Europe, dans la zone euro, non, eux, ils ne sont pas d'accord. Vous voyez un peu ça. Ça veut dire qu'elle dit que ça s'apparente un peu à la monnaie, que c'est un élément d'échange, mais elle n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas contrôlable, c'est un individu qui contrôle. Ce ne sont pas les banques centrales qui vont l'utiliser, qui vont contrôler ça. Mais $1 peut-être, après tout. Donc ça s'apparente un peu plus à de la monnaie, mais pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas une seule banque centrale pour garantir ces volumes qui seraient investis dans ce type d'éléments. Voilà. Donc, vous voyez son problème. Son problème, enfin, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit que le stablecoin s'apparente un peu à la monnaie, mais le seul souci, c'est que quand on dit on parle de monnaie, ça ne doit pas être une banque centrale, la banque centrale américaine seulement qui doit, gérer ça. Ou bien ça doit être quelque chose que toutes les banques centrales sont d'accord là-dessus. Or déjà, elle, en l'écoutant, elle nous fait comprendre que non, toutes les banques centrales ne seront pas d'accord avec ça. Et surtout qu'on ne peut même pas lui donner le nom d'une valeur de 1 dième, ne doit pas être une valeur égale à 1 euro. Qu'elle n'est pas d'accord pour ça, ou bien ça ne peut pas aller comme ça. Vous comprenez ça? Pardon, est-ce que la différence fondamentale, c'est que pour Libra, par exemple, vous êtes d'accord, alors que la crypto-monnaie qui se développe sur la blockchain avec ce qu'on appelle un open data, hein, chacun peut faire ce qu'il souhaite, c'est hors de contrôle. Est-ce que ce n'est pas ça qui pose un problème aux banques centrales? Rien ne me pose problème. Ce qu'il faut simplement, c'est que les consommateurs... Vous voyez, non. Donc, on lui demande, est-ce que les crypto-monnaies telles que les Bitcoin, Ethereum et le stablecoin, est-ce que c'est le fait que c'est hors... C'est en dehors, est-ce le fait que les banques centrales ne contrôlent pas que c'est un problème? C'est une question importante là. Est-ce que c'est parce que les banques centrales ne contrôlent pas que c'est un problème? Elle dit non, et que ça pose problème? Elle dit non, ça ne pose pas de problème. Elle dit ça ne pose pas de problème. Mais le seul problème que ça pose, c'est au niveau de la population, le fait que les gens peuvent perdre leur argent, c'est ça qui l'inquiète, selon ce qu'elle dit. Ne soient jamais spoliés et qu'ils soient parfaitement informés de la nature du risque qu'ils prennent. S'ils achètent un bitcoin ou autre élément de la même famille, c'est un actif spéculatif. Il faut qu'ils sachent qu'ils prennent un risque de spéculation majeure et de variation considérable de la valeur de l'actif en question. Sans compter que c'est en général ces éléments-là qui sont utilisés pour le financement d'un certain nombre de commerces qui se passent sur le dark web et sur lesquels, franchement, je ne pense pas que ni vous, ni moi ne serions particulièrement contents que nos enfants s'y amusent. Donc, ça veut dire... Donc, vous voyez là, on est en train de décrypter ce qu'elle dit. Hein. On lui a demandé, est-ce qu'elle compte, est-ce que cela pose problème? Elle dit non, les crypto-monnaies ne lui posent pas de problème. La seule inquiétude, c'est le fait que la population qui l'utilise soit consciente qu'elle peut perdre leur argent. Le deuxième problème, selon elle, c'est le fait que ce sont des solutions de paiement que les gens peuvent utiliser pour faire de la malversation et beaucoup de choses dans le monde entier. Voilà les deux problèmes qu'elle a soulignés. Dire qu'il faudrait interdire ces crypto-actifs, les réglementer davantage, quelle est la solution? Moi, je pense, si vous voulez, ce que je pense, c'est que c'est une réflexion qu'on engage au sein de la Banque Centrale Européenne avec l'ensemble du Conseil
gouverneurs et les banques centrales nationales qui en font partie, il faut impérativement que si une activité est conduite par un acteur privé, cette activité, si elle s'apparente à de la monnaie, entre guillemets, elle soit soumise exactement aux mêmes règles, exactement aux mêmes ratios, exactement aux mêmes mécanismes de supervision. Voilà, donc on voit un peu, elle veut dire que, par exemple, le Diem de Mark Zuckerberg, comme ça s'apparente un peu à une monnaie, et que dans la vie normale, tout ce qui est comme ce genre de solutions sont réglementées, donc il faut que les stablecoins aussi soient réglementés. Ça, et que les banques centrales y réfléchissent. Mais comment réglementer les crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l'Ethereum, ça, elle n'en a pas parlé. Mais quand elle parle d'un homme du privé qui met quelque chose en place, elle veut parler des cas de stablecoin comme le cas de Diem et autres. C'est de ça qu'elle parle actuellement. C'est le principe, même business, même supervision, même régulation. C'est comme ça qu'on a essayé à peu près de sortir de la crise de 2008. Mais troisième élément, parce que là on a parlé de deux familles, hein, les cryptos et puis les stablecoins, pour faire simple. Il y a une troisième catégorie, ce sont les monnaies digitales, banques centrales. Voilà, est-ce que vous comprenez ça? Ça nous permet d'avancer sur le quatrième point de notre présentation. J'ai parlé de coin, j'ai parlé de token, j'ai parlé de stablecoin. Et maintenant, elle aborde un autre sujet qui est l'euro numérique. C'est-à-dire, ça, c'est le bébé des banques centrales. Les banques centrales, telles qu'en l'écoutant, se sont rendues compte que les individus sont de plus en plus passionnés pour des solutions numériques telles que le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies. Donc, et le problème, c'est que ces crypto-monnaies, aucune banque centrale ne contrôle. Mais comme l'humanité, les gens sont de plus en plus friands de ces choses-là, et ils pensent à créer une monnaie numérique, un euro numérique, que les banques centrales vont utiliser pour faire des transferts d'argent dans le monde entier. Vous comprenez? Voilà. Donc, écoutez bien la suite. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui nous regardent, un euro numérique? Pour ceux qui nous regardent, c'est un peu comme si c'est la même valeur qu'un billet de banque. C'est-à-dire que vous avez un billet de 20 euros, et bien vous pouvez très bien avoir 20 euros sous forme numérique. Voilà, c'est un peu comme ce qu'avait dit, c'est un peu comme ce que les solutions de paiement, les mobile money ont. Vous avez 1000 francs dans votre mobile money, c'est du numérique, c'est du virtuel. Et vous avez ça, la vraie somme d'argent, là, si vous voulez avoir les 1000 francs, pour avoir les 1000 francs tout de suite. C'est la même chose. Elle est en train de dire qu'ils vont avoir une solution numérique qui circule sur Internet aussi, comme les crypto-monnaies, mais là, c'est quelque chose que les banques centrales contrôlent. Mais bien sûr, ils vont utiliser aussi la blockchain. Vous pouvez utiliser seulement que ça ne sera pas quelque chose de spéculatif, ce n'est pas hautement spéculatif, et c'est contrôlable par les banques centrales elles-mêmes. Et que vous pouvez faire circuler entre votre banque, les commerçants, etc. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Enfin, pardon de la naïveté de ma question, mais lorsque je paie avec ça, je ne vois pas mon billet. Hein. Ben, ça dépend qui est votre... Qui est... Je vais le garder pour moi. c'est bon, mais c'est déjà dématérialisé. Quoi. Mais je ne suis pas sûr que l'outil, la technologie qui soutienne votre mécanisme de paiement soit totalement garantie par la Banque Centrale Européenne. Voilà. C'est à vérifier. Je voudrais qu'on en... Bien, donc... voilà. Donc, mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, vous venez de comprendre aujourd'hui le point de vue de Christine. Et son point de vue est très important pour toutes les banques centrales que vous connaissez, surtout les banques centrales européennes et aussi africaines. Elle n'est pas d'accord. Elle dit que c'est comme si, en fait, il ne peut pas interdire les crypto-monnaies. OK? Mais elle dit, les populations devaient être conscientes qu'elles prennent un grand risque. Parce que tantôt, ça peut monter, des gens peuvent gagner de l'argent. Tantôt, ça peut chuter, des gens peuvent perdre de l'argent. Ça, c'est concernant les crypto-monnaies ordinaires, les coins. Concernant les stablecoins, elle dit, si une entreprise telle que Facebook, qui est un privé, une entreprise privée,
décide de faire quelque chose qui s'apparente un peu à ce que les banques font. De la même manière qu'on réglemente les banques, eux aussi, on doit les réglementer. Et tu ne peux pas être dans ce domaine, quelque chose qui s'apparente un peu à l'argent normal, au fiat, faire une activité et puis ne pas te laisser, ne pas rester sans être réglementé. Donc, ils vont réglementer ça. Maintenant, la troisième chose dont elle a parlé, c'est que les banques centrales s'apprêtent à mettre quelque chose en place qui n'a rien à voir à un stablecoin, mais qu'ils vont appeler, par exemple, la monnaie numérique des banques centrales, où les individus pourront aussi l'utiliser pour se transférer de l'argent, au même titre qu'on fait pour les bitcoins, pour les Ethereum et tout cela. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Je vais vous faire écouter une petite vidéo encore de Christine Lagarde et vous allez en savoir plus. And all sorts of companies now getting into this effort, not least among them Facebook. What kind of threat does this pose to the traditional banking system? Well, I think it's, you have incumbents, the banks, commercial banks, and you have the disruptors. And clearly the disruptors are having an impact on the incumbents. We just heard a very large systemic bank here saying that they're launching their digital coin, currently piloted in a way within the institutional clients, but to be scaled beyond that. We heard from the European Central Bank that they have launched in November something that is called TIPS. That elle dit que lancer quelque chose que tu appelles quoi? Appeler TIPS. Attendez, regardez là. Les banques centrales européennes nous ont fait savoir qu'elles avaient lancé en novembre un projet qui est appelé TIPS, qui permet à toutes les banques de la zone euro de transférer réellement instantanément. Vous voyez ça? That enables all banks in the eurozone to actually transfer instantly at virtually no cost. Money between. So, I think the role of the disruptors and any. Donc, quelque chose qui, dans la transaction, n'aura pas de transaction, ça veut dire qu'elle est consciente que la blockchain ou bien les crypto-monnaies répondent à un besoin majeur, c'est-à-dire que les gens veulent transférer leur argent sans supporter de grands frais et de façon instantanée. Elle est consciente de cela. Et donc, eux, ils sont en train de chercher une solution où les gens pourront transférer de l'argent de façon instantanée, mais sans grand frère, comme contrairement à ce qui se passe aujourd'hui avec les banques dans le monde entier. Anything that is using distributed ledger technology, whether you call it crypto assets, currencies, whatever, and it's far from the bitcoins that we used to talk about a year ago, that is clearly shaking the system. The voice that we heard, which was, I thought, really interesting, were those of the regulators and central bank governors who said, well, yes, this is good and this is helpful, and it is changing the business model of commercial banks. But we have to be mindful of two things, trust and stability of the system. And we are equally concerned at the IMF about stability. We don't want innovation that would shake the system so much that we... Donc, eux ne veulent pas une innovation qui va venir bouleverser le système actuel ou faire perdre des choses déjà acquises. Ou la stabilité du système. And doing enough right now to ensure that stability and as well competition from some of these big tech companies being involved in this space. You know, I think they're mindful of wherever the competition is coming from. The central bank governor of Kenya was explaining to us that they gave a banking license to a telecom company. And I think in the future, we have to look at what lots of data collectors and movers are going to do and whether they're going to move into the banking space. Bien, bien. Vous avez compris l'essentiel. On a déjà abordé des thèmes très importants déjà. Vous savez aujourd'hui
la position de Christine Lagarde sur les coins, les tokens, les stablecoins et leur projet de l'euro numérique. OK? On va maintenant aborder un autre sujet. Toutes ces monnaies-là sont stockées dans des wallets. OK? Donc, on parle de plus en plus, pour vous qui faites les affaires en ligne, on parle de plus en plus de tokens et surtout du portefeuille. Vous avez entendu parler de MetaMask. MetaMask, comme il y a un autre qu'on appelle My Ether Wallet, mais qui n'est pas trop sécurisé, que je ne vous conseille pas, My Ether Wallet, c'est un portefeuille, un wallet pour les tokens. Donc, pour les tokens, dans le monde entier, il y a beaucoup de wallets qui sont utilisés. Mais en ce qui concerne les tokens, deux wallets sont beaucoup utilisés, My Ether Wallet et MetaMask. Et MetaMask, moi, je l'ai découvert depuis les années 2017, OK? Et je l'utilise jusqu'à présent. C'est très sécurisé. Et My Ether Wallet aussi, c'est sécurisé, c'est bon, mais pas trop sécurisé pour les personnes qui ont perdu leur argent en passant sur le portefeuille My Ether Wallet. M-Y, My, Ether, comme Ethereum, Ether, et puis wallet.com. OK? Donc, on va aborder le sujet des wallets. En fait, le wallet était MetaMask. Le wallet MetaMask est un wallet qui est d'office un wallet de Ethereum. Je vais dire que lorsque tu crées un compte MetaMask, déjà tu as une adresse Ethereum. Et comme Ethereum permet à des entreprises d'utiliser sa blockchain pour créer des tokens sur la base de smart contracts, dès lors que vous avez un compte MetaMask, un portefeuille MetaMask, vous pouvez ajouter une dizaine et une vingtaine de tokens qui sont hébergés par Ethereum. Et je vais vous montrer un exemple. Et la blockchain d'Ethereum, vous allez partir sur une plateforme qu'on appelle Etherscan. On va le voir tout à l'heure. Sur Etherscan, vous allez voir la liste de tous les tokens que les compagnies ont créés et qui l'ont listé qui utilisent la blockchain d'Ethereum. Nous le faisons maintenant. Donc, je vais partager mon écran. Bien, donc, regardez juste en haut ici, c'est une extension. Hein. My Ether Wallet, je n'ai pas le temps pour vous former sur comment créer le compte. Il y a des vidéos sur Internet qui vous montrent ça. Mais regardez ici. C'est une extension de Google Chrome. Là, je vais cliquer dessus. C'est un portefeuille. Hein. On crée, on va sur vous télécharger. Il y en a en application. OK. Bon, je vais ouvrir une nouvelle page comme ça. Voilà, regardez ici. Je peux me déconnecter. Je peux me loguer dans mon compte. Et là, je suis logué déjà dans mon compte. Vous voyez que dans ce compte, j'ai 0,05 Ethereum, qui est autour de 177 $ américains. OK? Bien. Maintenant, je vous disais qu'on peut ajouter des tokens. C'est-à-dire, vous qui faites les business récemment, je ne vais pas citer le nom des compagnies ici, mais il y a des compagnies qui vous ont demandé de créer un compte, MetaMask. Voilà MetaMask là. C'est ça qui est MetaMask. Ça qui est MetaMask. Avec le chaton qui est là. Maintenant, dès lors que c'est créé, vous pouvez maintenant ajouter des jetons. Donc, l'adresse est là. Si je veux copier l'adresse, l'adresse est là, regardez ici. Voilà l'adresse. Comment vous montrer ça? Détail du compte. Voilà. Voyez là? Voilà l'adresse qui est là. Voilà, le QR code est là aussi également. Ça veut dire que si quelqu'un doit m'envoyer de l'argent, si la personne scanne le QR code qui est là, elle peut m'envoyer de l'argent. Ou bien voilà l'adresse qui est là, OX tant qui est là. Voilà, toutes les adresses d'Ethereum commencent par OX. Toutes les adresses d'Ethereum commencent par OX
et les tokens aussi qui sont liés à comment on appelle, tous les tokens qui sont liés à Ethereum aussi, commencent par OX. Retenez ça comme ça, ok? Bien. Maintenant, ici, je peux faire quoi? Je peux envoyer, je peux faire le swap. Le swap, c'est le change de monnaie, convertir les monnaies. C'est une expression en anglais qui veut dire que échanger les monnaies. Tu peux échanger une crypto, un token contre un autre token, ou bien un token contre Ethereum, ou bien Ethereum contre un token. Maintenant, on va faire aujourd'hui devant vous un exercice d'ajout de crypto-monnaie. Regardez ici, de token, pardon. Regardez. Comme je vous ai dit que c'est un portefeuille qui peut héberger plusieurs tokens, voilà, ils ont écrit là, et ajouter quoi? Ajouter un token, un jeton. Je clique dessus. Et arrivé ici, on me dit qu'on peut faire une recherche automatique ou bien on peut personnaliser. Jeton personnalisé. Le jour où vous ajoutez un token à votre portefeuille, demandez à votre entreprise quelle est l'adresse de ce token-là et puis quel est le comment on appelle l'initial. Bon, on parle de cela. Ici, c'est abrégé. Ici, c'est le symbole. Voilà, le symbole. Et puis, quel est le qu'on appelle le décimal de ce et de précision. C'est-à-dire que vous mettez l'adresse ici, son petit nom et ce qu'on appelle le décimal. Alors, on va faire un exemple très pratique. On va faire un exemple maintenant. On va aller sur la blockchain. OK? On va aller sur la blockchain. Excusez-moi, je vais l'ouvrir, on va faire ensemble. Bien, donc, je prends ici, regardez là, où il y a les trois traits là. Et je vais aller sur, voir sur Etherscan. Etherscan, c'est comme si pour le Bitcoin, on parle de blockchain.info. Vous voyez les, où on voit là-bas les blocs, la chaîne des blocs. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une opération de transaction, il y a des blocs, il y a des blocs, il y a des blocs. Donc ici, leur blockchain, la blockchain d'Ethereum, c'est Etherscan ici. C'est ici qu'on voit toutes les opérations, toutes les transactions concernant Ethereum, concernant les tokens, tout ça. Regardez ici. Vous voyez là? Ça, ce sont les blocs de transactions. Les hash, les blocs de transactions. Voilà les numéros des blocs de transactions. Leur hash, ça fait combien de jours? Regardez, si quelqu'un fait, je t'envoie quelque chose que je veux vérifier, que tu peux vérifier, tu me demandes le hash. Je t'envoie le hash, voilà le hash. Je copie le hash et je te donne. Et le hash que j'ai copié de données, tu peux venir sur Etherscan et sur leur blockchain ici, dans la partie recherche, voilà, regardez blockchain, tu peux voir, tu peux insérer ça pour voir toutes les opérations de transaction, comme on le fait pour la blockchain, sans entrer dans le compte de la personne ni dans votre compte pour voir si une opération a eu lieu ou pas, est-ce que ça a été déjà confirmé ou pas. Vous voyez, in, out, là, ce qui sort de votre compte, out, ce qui sort de votre compte, in, ce qui rentre dans votre compte. Self, c'est ce que les transactions des gens se font à eux-mêmes. Maintenant, je vous disais qu'on va ajouter, comment on appelle, un jeton numérique à notre portefeuille Etherwallet ici. Et comment on s'y prend? On vient ici, on va chercher le portefeuille. Voilà ici, regardez ici. Quand on écrit comme ça là, ERC20, top token, c'est-à-dire que c'est les tokens qui utilisent le smart contract de Ethereum. Donc, je vais cliquer sur ça. Et puis, vous voyez tous les tokens, la plupart des tokens. Par exemple, le token de Binance. Binance utilise le smart contract de Ethereum pour son token. Tout ce que vous voyez là, le nom, c'est le nom du token et puis, entre parenthèses, leur petit nom. Regardez le Tether. Le Tether, est-ce que vous avez imaginé ça? Le Tether est un token, un stable coin, OK? Le Tether est un stablecoin qui utilise la blockchain, le smart contract de Ethereum. Donc, actuellement, je peux venir ajouter, cliquer sur ça pour Binance. On va commencer pour Binance et pour ajouter ça sur mon adresse là-bas, mon compte là-bas. Donc, je peux lister sur, mon portefeuille MetaMask, tous les tokens que je veux. Je peux ajouter autant de tokens que je veux. Bien. Donc, je clique sur pour Binance.
Et vous savez que tout à l'heure, je vous ai montré que pour ajouter un token, vous avez besoin de l'adresse, du smart contract, du décimal et du petit nom. Donc voilà l'adresse qui est là. On va cliquer prendre l'adresse. On copie l'adresse. Le décimal, c'est combien? C'est 18. Donc je viens sur MetaMask. Je clique sur ajouter un jeton. Je prends jeton personnalisé. Je mets l'adresse du jeton. Voyez, lui-même l'a mis automatiquement que c'est un Binance. Et puis, il a mis le décimal. Il a mis le petit nom automatiquement parce que le smart contract est correct. Je fais suivant. Et c'est bon. Actuellement, dans mon compte actuellement, on voit déjà un premier portefeuille qui est là. Je peux revenir encore ici pour aller prendre un autre token. Donc, cela veut dire quoi? Si vous êtes dans une entreprise et que vous voulez ajouter le portefeuille là, le jeton là sur votre, voilà, actuellement j'ai Ethereum et puis j'ai Binance. Je vais en faire un deuxième exemple. On va prendre pour Tether, qui est un token aussi, qui est un stablecoin. OK? Tether, c'est un stablecoin. Binance, c'est un token. C'est pas un stablecoin. Binance, ça monte, ça descend. Le Tether, ça reste toujours autour de 1 dollar. Donc, je vais prendre celui-ci aussi et je vais aller ajouter. On va faire quoi? Comme on fait premièrement, ajouter un jeton, personnaliser, je mets l'adresse. Bon, en certaines fois, on va vous demander vous-même de mettre le décimal, hein, mais là, il nous a demandé, là, il prend automatiquement. Donc, si le smart contract est bon, alors il prend automatiquement. Vous voyez que ça commence par leur adresse là, ça commence par quoi? OX. OX, OX, OX. Ça veut dire ça, c'est Ethereum. Donc, je fais Next, ajouter, et c'est bon. Vous voyez que je viens d'ajouter 2 tokens. Et désormais, si je veux voir, je suis dans ma plateforme de business, que je veux, on me demande de retirer mon argent pour l'envoyer ici. Avant de le faire, vous devrez d'abord ajouter. Bon, j'aborde un sujet important maintenant, côté transaction. Côté transaction, un sujet important maintenant. J'ai dit, vous êtes dans des entreprises dans lesquelles soit c'était programmé, soit ce n'était pas programmé. Un beau matin, vous vous réveillez et puis la compagnie dit, désormais vous tous, vous devrez créer un compte pour notre token ou notre jeton numérique. Et généralement, elle vous montre comment créer le compte. Vous avez créé le compte. Vous avez l'adresse de ce compte-là. Cette adresse-là, qui commence, qui est l'adresse d'un token, commençant par OX, cette adresse-là, ça, vous devrez copier pour aller mettre ça, comme on vient de le faire tout à l'heure, insérer en haut, et automatiquement, si c'est une bonne adresse, d'un token qui dépend du smart contract de Ethereum et que c'est un jeton vraiment numérique, automatiquement, il va mentionner le décimal lui-même et le petit nom. Et vous ajoutez là-bas. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase est que cette adresse que vous avez là, qui est aussi dans votre compte là-bas, un jour viendra, on vous demande de faire le transfert. Transférer de votre compte de business sur le compte là-bas, sur le compte de MetaMask. Pourquoi? Parce que si le ICO a eu déjà lieu, la vente de la crypto, le token a déjà eu lieu, ça n'a pas resté là-bas. Transféré pour que ça soit sur MetaMask et que via MetaMask, un jour, Vous voulez vous débarrasser de cette crypto-monnaie, vous puissiez aller sur la plateforme de change pour aller échanger dans d'autres crypto-monnaies, que dis-je, aussi dans d'autres tokens. MetaMask vous donne l'occasion aussi d'aller échanger ça. C'est ce qu'on appelle le swap, échanger. Et on va voir ça maintenant. Donc, on suppose que j'ai transféré ma monnaie,
OK? Je l'ai envoyé sur MetaMask. Mais cette monnaie-là, moi, je n'en veux pas. Je veux l'échanger contre d'autres monnaies. Est-ce que j'ai l'occasion de le faire? Oui, vous avez l'occasion de le faire. Nous ne prenons pas le temps, assez de temps pour en parler, mais je vais vous montrer quand même la base. Et puis plus tard, peut-être, si Dieu nous permet, on fera une autre conférence là-dessus. Bien, nous sommes ici, regardez ici, ils ont mis la swaps. Swaps, regardez là. C'est comme si, actuellement, attendez, j'ai de l'Ethereum et je veux envoyer 10 en quelle monnaie? Comment on a laissé USDT? Voilà, USDT. En Tether. OK? On va faire un truc comme ça, quoi. Voyez, donc, j'ai de l'Ethereum et je vais envoyer un peu dans USDT. Donc, on attend pour voir ce que ça a donné. Bon, je ne sais pas si je fais bien. Il ne me donne pas la main. Option plus avancée. Bon, de toute façon, compte tenu du temps, on n'a pas assez de temps, OK? Voilà, je dois vous laisser poser des questions. Mais je vous ai montré un peu le bouton dont on se sert pour faire ça. Voilà, donc ça, vous aurez l'occasion de le faire. Mais il semble que j'ai mis 10 Ethereum, donc c'est une erreur. Ce n'est pas 10 Ethereum quand je vais mettre. C'est pour ça que ça ne passe pas. Ne pas 10 Ethereum. Excusez-moi. Je n'ai pas 10 Ethereum. OK, donc je vais reprendre devant vous. Donc, ce que je dois mettre, quand on vient sur mon back office, mais 0,005. OK, voilà. 0,005 Ethereum. Voilà, donc vous voyez que ça c'est bon. En fait, au lieu de mettre 10 dollars, j'ai mis en Ethereum, donc ça ne passait pas. Donc là c'est bon, il me dit je vais valider, je dis oui, je valide. Je valide et ça va aller sur mon portefeuille USDT. Ici, sur MetaMask. OK? Voilà, une option pour montrer un peu comment on procède tout ça, comment on fait le swap. Comment si vous avez envoyé votre token et que vous voulez convertir en d'autres choses, comment pouvez convertir vous-même cela? Voilà, donc, on est en train de voir. Il va finir et puis on va passer à autre chose. OK, donc, on dit que je recevrai des USDT. Je suis en train de jeter l'opération. Transaction complétée, c'est fini. Je peux voir mes USDT. OK. Voilà. Donc, regardez ici. Vous voyez, dans mon portefeuille désormais, quand on commençait, j'avais une certaine quantité d'Ethereum. Maintenant, j'ai un peu d'Ethereum en 98 $ et puis j'ai un peu de USDT.
Et ce USDT là, je peux envoyer à quelqu'un si je veux. Vous voyez là, je peux choisir comment on appelle mettre l'adresse de là où je veux envoyer et je peux le faire. Voilà. Vous voyez là? Voilà. Donc tout ça c'est possible. OK? Bien. Maintenant, voilà. Donc, pour ne pas être trop long, on va s'arrêter là. On a passé presque une heure de temps ensemble. Ce n'est pas bon pour... Ce sera en ligne, la vidéo. Mais je crois que cette formation, cette petite conférence aura répondu à des problèmes, à des petits, petits problèmes que certaines personnes ont, surtout avec MetaMask, que d'autres ne savent pas comment s'en servir. Et je viens de vous démontrer que vous pouvez faire l'adresse qui est là de votre compte MetaMask, vous pouvez donner à des gens. Et depuis là-bas, ils peuvent transférer des choses. Si c'est du token USDT qui transfère, ça va se loger devant USDT. Si c'est du BNB, ça va se loger devant BNB, Binance, Binance, devant le token de Binance. En tout cas, l'adresse que vous donnez, c'est ça, c'est devant cette adresse, enfin, devant ce token, que ce que la personne a transféré va venir se loger. Donc, c'est dans votre entreprise, dans votre business, l'adresse que vous avez de votre MetaMask, vous avez donné, quand la personne va envoyer là-bas, vous donnez ça à la personne, quand la personne va envoyer, ça va venir se loger devant le token de votre entreprise que vous avez créé. Voilà. Merci à vous tous. Je vais vous donner quand même l'occasion de poser quelques questions ou d'avoir des précisions, donner votre opinion sur tout ça. Pour vous qui avez suivi la vidéo, si c'est une vidéo que vous avez suivie, laissez votre commentaire en bas et on aura avec du plaisir qu'on va vous écouter ou lire. Voilà, vous qui êtes dans la salle à présent, posez des questions et on vous écoute. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct aussi, que vous pouvez corriger, rectifier, ça peut arriver, vous pouvez rectifier. Mais de ma part, je crois avoir dit ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste et ce que je connais. Merci.